En 2005, Céline Almeida crée avec son frère le salon de coiffure 52e Avenue. Comptant une douzaine de salariés et de très nombreux clients, l'entreprise vise à toujours plus de croissance. J'ai décidé de choisir ce programme parce que, on va pas dire que je suis une éternelle insatisfaite, mais c'est l'image que je peux donner parce que j'aime la remise en question. Faire prendre conscience que même si aujourd'hui on a beaucoup de monde, il faut savoir se remettre en question parce que demain on peut les perdre. Et parfois le message est difficile à faire passer parce qu'il peut passer comme une insatisfaction et pas comme une remise en question. Donc j'avais envie de faire passer ce message à mes 11 partenaires. Donc j'avais envie vraiment d'avoir un regard extérieur. Malgré son anonymat, le client mystère reste la célébrité de la démarche KPA Vitrine. Le client mystère, ce sont en fait deux consultants indépendants qui n'appartiennent pas à la chambre, qui sont un homme, une femme d'un âge différent et qui vont observer, comme le ferait n'importe quel client extérieur, divers aspects du magasin. Les critères d'évaluation sont au nombre de 4, les outils, les hommes, les produits et la qualité de la prestation. On va se rendre directement à la boutique. Qu'est-ce qui est exposé en vitrine? Quelle impression ça fait, les produits, donc? Quand on rentre, là aussi, quelle est la présentation des produits? Comment est agencé le magasin? Comment est-ce qu'on est reçu par l'artisan, voire ses salariés? Et au niveau de la prestation, la vente, voire la réclamation, comment est-ce que ça se passe? Oui, je pense que ça a été une bonne remise en question. Il y a des choses aussi où je n'avais pas attaché d'importance, comme la devanture, comme des regards que je ne portais pas spécialement parce que je suis plus figée sur le travail en lui-même. Les ateliers et les échanges proposés par la démarche KPA Vitrine ont guidé Céline dans son analyse pour établir son plan d'action. Le plan d'action permet de mettre en œuvre à court et moyen terme les actions qui auront été arrêtées avec l'artisan, qui est le cas notamment pour 52e Avenue. Les plans d'action qu'on a envisagés, on avait un gros souci au niveau de l'éclairage. Les gens extérieurement pensaient que le salon était fermé, donc on a tout repeint pour valoriser la lumière, remettre l'enseigne lumineuse en état, valoriser la vitrine, valoriser les produits ventes, et puis justement travailler le relationnel avec les clientèles. Au niveau du personnel, le désir c'est justement régulièrement de faire des formations pour la vente, le management, le conseil. Ça m'a permis d'être plus à l'aise surtout dans le rôle de management. C'est un rôle que j'ai jamais aimé, que j'ai toujours refusé d'occuper. Pour moi, j'étais une artiste et à un moment, on est obligé de faire une remise en question quand on est une entreprise de 12. On ne travaille plus à deux, donc c'est un fonctionnement différent. Donc oui, ça m'a permis de répondre à plein de besoins. L'intérêt, c'est lorsque je suis plus à l'aise dans ce rôle-là de management, c'est surtout pouvoir m'absenter, avoir une équipe qui est apte à faire tourner l'entreprise lorsque je m'absente et que je peux me reposer sur des gens de confiance et surtout des gens qui ont envie de s'investir.